en pleine mutation, grande certitude. Pour le coup, nous, au sein du groupe Fnac Darty, on a vu des évolutions majeures, forcément, hein, fermeture de nos magasins pendant le confinement, ce qui représente ce qui est aujourd'hui 80% de notre activité, le magasin physique. Donc pour le coup, une bascule entièrement pure player très très rapidement, qu'on a opéré en quelques jours, et qui, en post-confinement, nous a vraiment interrogé sur cette période et sur les mutations du consommateur, les mutations de mode de consommation. Et aujourd'hui, on a retiré deux grands enseignements de cette période. Le premier, c'est que le digital, il est encore plus au centre qu'il ne l'était auparavant, au centre de la recherche et au centre du canal d'achat. Donc il a pris une place encore plus majoritaire au sein du parcours. Et le deuxième enseignement notable et majeur, c'est vraiment cette notion d'omnicanalité qui aurait pu être remise en cause pendant la période, mais qui s'avère aujourd'hui toujours aussi forte, cette complémentarité entre le magasin physique et l'e-commerce. C'est toujours quelque chose qui aujourd'hui a du sens pour le consommateur, qui est plébiscité par le consommateur. L'impact pour le retail média aujourd'hui et pour Retailink, c'est notre capacité à accompagner les marques clairement sur la compréhension de l'écosystème et de la mutation de l'écosystème, donc la partie vraiment insight, compréhension des évolutions de mode de consommation, la bonne activation en face de cette compréhension et la bonne mesure en haut de funnel et en bas de funnel de l'ensemble de nos actions. Pour moi, la clé de l'accélération, elle passe par le consommateur. En fait, c'est le consommateur qui va tout dicter. Qui va dicter le où, e-commerce, magasin physique, omnicanalité, local, national, peut-être dans ses choix également. Qui va dicter le combien, la part de ses revenus qu'il va être capable d'injecter dans l'économie actuelle. Et puis le quoi, le fait de se recentrer sur certains produits et de remettre l'utilité en fait dans sa vie quotidienne au centre de ses choix.